Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon enfant, je suis Marie, ta mère, et la reine de la paix. Aujourd'hui, je t'appelle à prier pour la paix dans le monde, mais aussi la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille. Sans paix, tu ne vis plus, tu survis. Invoque-moi, saisis ton chapelet et prie avec moi de tout ton cœur. Tu verras bien vite la paix de Jésus t'envahira. Je vous propose d'écouter un chant qui correspond à la prière que nous venons d'entendre. Elle s'intitule « Une porte ouverte sur le ciel », interprétée par Jean-Paul Artaud. L'Esprit de Dieu en lui donnant son cœur, celle qui dit oui, baissant les yeux, servante du Seigneur. Une porte ouverte sur le ciel. La paille, celle qui est présente au fil des jours lorsque Jésus travaille. Une porte ouverte sur le ciel. En croix, celle qui devient mère du monde entier, ouvrant tout grand ses bras.
l'esprit descend comme un grand feu. Celle qui devient au paradis la douce mère de Dieu. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Merci Jésus de nous donner ta mère pour maman.